Indigné TV. Voyagez à la découverte de l'Indigné Traveler à travers des documentaires, des reportages, des émissions en direct, des interviews, de la publicité sur Indigné TV. Indigné TV. Voir, savoir et connaître la région de l'Indigné Traveler. Mais nous faisons ça en joie, afin de marquer le 58e anniversaire de la cession de notre pays en indépendance. L'occasion est très bonne pour la population de se souvenir de nos aînés et de pouvoir prendre des engagements qu'on le prend la République nous a demandé hier, faire en sorte qu'on puisse tous contribuer au maintien de la paix. Maintien de la paix, la cohésion sociale entre les différentes communautés. C'est également l'occasion de rappeler que le développement, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun doit apporter sa contribution au bien-être de nos populations et le bien-être de la nation de manière générale. Voilà. Mes attentes, c'est le maintien de la paix. Maintien de la paix, de la cohésion, de l'entente. Et comme je l'ai dit lors de mon intervention, de faire en sorte que les élections locales qui vont se dérouler à partir du 13 puissent avoir un très bonne atmosphère, bon climat, et que les futurs candidats et également les électeurs utilisent un temps apaisé. Il n'y a pas d'étrangers, nous sommes tous des frères d'Abengourou. C'est eux. Et il y a des gens qui se mettent à la disposition de la population. Nous devons nous entendre pour choisir ces personnes-là. Et puis, vont leur confier le développement de notre, l'initiative de développement de notre région, bien sûr, avec l'appui inestimable de l'État. Vous avez vu la ville d'Abengourou. Tous ceux qui parlent, nous disent que nous avons une belle ville, parce que le président de la République, lors de son passage ici en 2015 et bien avant, a demandé que les rues soient bitumées. Le précis a exécuté l'ordre du président en bitumant les rues. Nous avons la deuxième phase du précis qui est en cours d'exécution. Donc la ville d'Abengourou, comme toutes les autres villes de Côte d'Ivoire, chacun participe au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà. Cette bonne fête à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vivent sur notre sol et notamment à la population d'Abengourou, que Dieu fasse que nous nous retrouvions l'année prochaine tous en bonne santé et dans la paix, surtout dans la paix. D'abord, c'est un sentiment de joie, de joie. Nous avons assisté à un très très beau défilé et aujourd'hui, comme je dis, un grand jour de joie. Nous appelons à la cohésion, à la fraternité. Nous sommes tous ensemble pour développer la ville d'Abengourou. C'est ça notre préoccupation majeure. Nous nous préoccupons du bien-être de nos populations. Pendant 5 ans, on n'a fait que ça. Travailler pour que les populations aient un minimum d'équipement. Voyez-vous, donc je voudrais donc féliciter tous ceux qui ont participé à ce grand défilé. Et ici à Abengourou, j'exprime la joie et bonne fête, excellente fête à toutes et à tous. C'est avec une vive émotion que ce matin je suis en train de vivre la fête d'indépendance au niveau local. Parce qu'il y a 50 ans, toute jeune et frêle élève au niveau du primaire, j'ai participé à cette fête d'indépendance et ça a été cette année-là. Beaucoup de difficultés parce que c'était le 8e anniversaire et du début des préparatifs jusqu'à la fin, il y a eu de fortes pluies dans notre région, particulièrement sur le département d'Abengourou. Ce qui mettait même totalement en péril les travaux qui s'y effectuaient parce que vous êtes sans le savoir que
pour ces années de fête tournante, c'était pour développer les chefs-lieux de département et pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une homogénéité à travers ces départements. Donc, pour ce 50e anniversaire que nous avons vécu ce matin, devant le rond-point, devant la mairie d'Abangourou, j'étais en train de revoir un peu ce que j'ai pu faire comme préparatif pour le 8e anniversaire à Abangourou et ce que je suis devenue aujourd'hui en tant que fille et responsable politique de notre département. Pour au niveau national aussi, nous avons suivi un peu le défilé et c'est très fort. C'est très fort. Nous entrons automatiquement sur les perspectives et nous voyons ce qui va se passer pour les 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire au niveau local et au niveau national. Nous avons suivi un peu à la télé une très belle, un très beau défilé et tout cela augure de la vitalité de notre pays, tout cela augure du développement que nous sommes en train de vivre depuis la crise post-électorale qui reste longtemps vraiment derrière nous. Je souhaite vivement que pour le 60e anniversaire, la Côte d'Ivoire se porte bien, qu'il y ait une bonne cohésion sociale et par rapport au message du président de la République que nous avons suivi avec beaucoup d'attention, nous savons que nous sommes convaincus que le 60e anniversaire fera une très grande fête pour le bien de tous les Ivoiriens et pour le développement qui est en route pour la Côte d'Ivoire. Bonne fête d'indépendance à tout le monde, spécialement à tous les Abangourois pour ce 50e anniversaire. La fête s'est bien déroulée dans ma localité, surtout que je suis le responsable des forces de l'ordre en matière de sécurité. Mes collaborateurs ont été déployés partout. Il n'y a pas eu pas de gens qui sont pleins pour dire qu'ils ont été agressés. C'est essentiel. La population est venue nombreuse pour la célébration du 58e anniversaire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je pense que la population est satisfaite. Suite à la déclaration de notre président, la population est heureuse d'apprendre cette bonne nouvelle, c'est-à-dire la mise en liberté des personnes qui ont été incarcérées. Aujourd'hui, nous fêtons les 58 ans de notre pays, notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens, saluer toute la population d'Abengourou, la population de l'Indéni et du Ablin. Ça a été une très très belle fête aujourd'hui, parce qu'à cette occasion, nous fêtions également aussi l'anniversaire de l'indépendance qui s'est fêtée ici chez nous, à Abengourou, en 1968. Aujourd'hui, ça fait 50 ans et cela nous a permis d'avoir beaucoup d'infrastructures et a aidé la ville à se développer. Nous avons derrière nous ici le bâtiment de la mairie d'Abengourou qui fait la fierté de tout l'Indéni et du Ablin qui a été construit à cette époque-là, au moment de la fête de l'indépendance qui a eu lieu ici à Abengourou sous la présidence du président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation moderne de Côte d'Ivoire. Adou Richard Désiré, président de la jeunesse communale et président aussi de la fédération des associations mouvements de jeunesse de l'Indéni et du Ablin. Nous sommes là aujourd'hui pour participer à l'indépendance de notre pays et la commémoration de cette fête cette année a été une réussite. On s'attend qu'il y a eu une participation massive de toutes les communautés et chaque année à ses réalités. Et au fur et à mesure que nous avançons, la fête devient de plus en plus belle dans l'Indéni du Ablin. La population s'intéresse plus à la fête de l'indépendance de son pays. Et nous pensons que les années à venir, on aura encore, on pourra relever encore ce défi-là pour que la fête soit encore plus belle. Traoré Amidou, je suis le directeur des services sociaux qui travaillent de promotion de la mairie d'Abangourou. Il faut dire que ce matin, nous avons assisté à une belle fête. Il y a eu une forte mobilisation de la population pour commémorer les 58 ans d'indépendance de notre cher pays. Et j'étais véritablement heureux de voir ce beau défilé et ça me rappelait les années 80, encore où on célébrait avec faste la fête nationale. Et je voudrais que cela soit réitéré les années à venir. Bonne fête d'indépendance à tous. Le nouveau lieutenant
de la police municipale, le commandant de la police municipale, grâce au maire, tous les agents de la police municipale ont été gradés pour cet événement d'aujourd'hui, la fête de l'indépendance. Et je crois que c'est l'un des plus beaux jours de la police municipale d'Abangourou. Être gradé à 2 rangs de plus, ce n'est pas permis à tous les maires de le faire. Nous disons merci d'abord aux maires et nous-mêmes, ça nous motive à mieux travailler. Et pour la fête, je crois que c'est l'une de nos meilleures fêtes depuis qu'on travaille à la mairie. Le fameux Kwame, Amena et Géné. Fait très balina, le haut et fait d'un. Au foie, il fait très. Anna, mais moi, t'as l'imbo. La cabine dit fait très. Kaisa. Seigneur Tania, nous avons dit, c'est moi, Béli. Il t'a mis à l'engalé, oh, ouais. Donc, on est comme si fait très. Et mon cari, on va balio. Et que ce qu'un balina, le haut et fait. Sans Joe, d'être. En tout cas, fetri nga bon be diane pana mini anwende me kemba di ma wuni aneri ai mi akun due puisque la ni ke nga ya wun me ye wuni afin la do mi se ofo le be di fetri be si able be defire ye ni anwa ye de na afo enja ba ya yo donc en tout cas elle est fait mais ye kro ke yo titi ke nga sa me nga ba ikun etra nga o yensu na ikwa tu ye tra akun due mo par exemple, soit qu'on veut répondre, quand il y a ça, il y a qu'on titille, alors que là, malheureusement, là, il y a des gens qui quand il y a des soirées, il y a des filles, après, il y a un toit, donc, il y a des soirées, là, il y a comment c'est, il y a moins de gens, il y a quoi bien gros, il y a quoi bien gros, et tu vois, Bonnie Michel à l'état civil et puis Don Mike pour ceux qui me connaissent bien. Alors il faut dire que c'est de coutume, hein, chaque année Abengourou abrite la cérémonie commémorative de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En fait, aujourd'hui je me dis que Abengourou est mature parce que Abengourou d'avant et Abengourou d'aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, grâce à nos autorités, grâce à Sa Majesté Nana Bakwa Sikwa, roi de l'Indéné, grâce à tous et à chacun, aujourd'hui, Abengourou en train d'être reverti de son habit de capitale de la région de l'Indéné. On a du goudron, on a un peu de tout, un peu de partout, la lumière un peu de partout. Et je sais que par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, les choses vont aller de l'avant pour que Abengourou, qui est la cité royale de la paix, soit véritablement la meilleure des villes de Côte d'Ivoire, parce qu'Abengourou mérite cela. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, la maturité au niveau d'Abengourou est très très élevée. Voilà, Abengourou d'avant et puis Abengourou de maintenant, c'est plus la même chose. Et puis nous savons que d'ici 2 ans, nous allons célébrer les 60 ans voilà, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Moi, mon souhait est que les autorités de la ville, que ce soit les autorités coutumières, administratives, religieuses et coutumières, prennent cela à bras le corps pour que ce soit la meilleure des fêtes en Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, Abengourou, tout le monde a les yeux sur Abengourou, parce que Abengourou, quand on dit je viens d'Abengourou, c'est une fierté pour nous, parce que Abengourou reste toujours Abengourou. Donc pour les années à venir, pour les 60 ans de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui vient d'ici 2020, nous prions que nos autorités prennent ça à bras le corps, que nous puissions relever le défi, que ça soit la meilleure des célébrations ici à Abengourou. En tout cas, je dis merci à Indéné TV pour tout ce qu'elle ne cesse de faire pour la région de l'Indéné Djabé, parce que grâce à vous, grâce aussi à d'autres structures de communication, aujourd'hui, Abengourou est perçu un peu de partout dans le monde entier. Et puis, c'est une grande fierté d'Abengourou. Comme le dit le maire Amakoukakou Banga, Abengourou, c'est l'ambition de tous et de chacun. Je ne peux pas aller lutter à Katiora. Non, non. Abengourou, c'est pour nous tous, dont chacun de nous a le droit de préserver cette ville-là, c'est une cité royale de la paix. Donc que Dieu bénisse Abengourou et que Dieu bénisse Indéné TV pour que vive Abengourou. Voilà, merci bien. Mais pour ma sebema, les dimani à nos complets, un grand jour soit ma bas. Mais ça y est, bébé, frère, mes gonongo avaient dit que wale wale mina me bano. Si t'as sous ce goumano, ah, ou mia jamais web, ou je me sors, tu as fait mes bagues. Indéné TV, voir, savoir et connaître la région de l'Indéné Djabé.